Hey yo tout le monde, c'est Protoc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, que vous êtes bien installés et très confortablement installés, car aujourd'hui nous allons parler de Peter Scully, qui est un des plus gros violeurs, meurtriers et tortionnaires du Deep Web, du Darknet et du 21e siècle. Il faut savoir qu'avant 2011, Peter Scully c'était un Australien qui avait pas mal d'histoires avec la justice. Il est inculpé d'une centaine de chefs d'accusation, tels qu'escroquerie ou encore tromperie. Et en réponse à cela, et juste avant de se faire arrêter, il s'est exilé sur l'île de Mindanao, aux Philippines, là où il est à l'abri de toute sanction de la justice australienne. Il faut savoir que Mindanao est la deuxième plus grande île de l'archipel des Philippines, et elle compte plus de 22 millions d'habitants. Et malheureusement, les Philippines, comme la majeure partie des pays dans le monde, est très très pauvre. Et du coup, Peter Scully en a profité, et pas dans le meilleur sens. Malheureusement, cet exil qui le rendit intouchable aux yeux de la justice australienne réveilla le monstre qui sommeillait en lui. La découverte du Deep Web lui donna quelques idées, et franchement, c'était pas les meilleures. Il décida de créer un site internet, mais pas un site internet traditionnel. Vous connaissez le Darknet, il peut y avoir vraiment des sites horribles, voire très horribles. Et Peter Scully, lui, ne déroge pas à cette règle. Sa première étape a été de recruter des complices. Il a recruté femmes et hommes pouvant l'aider à commettre ses crimes. Il proposa justement une récompense très alléchante et donc créa un site sur le Deep Web sur lequel il posta des vidéos de torture, de viol ainsi que de meurtre sur des enfants très jeunes allant de 12 ans à 18 mois. Son mode opératoire était assez simple. Il se rendait dans des familles, enfin vu qu'elles étaient pauvres, il proposa de recueillir leurs enfants pour leur offrir un meilleur avenir, une éducation, à manger. Enfin, des choses qu'une famille philippine ne peut pas forcément leur offrir compte tenu du faible revenu et des conditions dans lesquelles ils vivent. Mais loin s'en faut, ces pauvres petites âmes qui n'avaient rien demandé se retrouvaient comme acteurs principaux de ces snuff movies dans certaines des red rooms qu'il arrangeait chez lui et il les filmait pour accomplir ses actes les plus morbides. Dans sa red room, ou plutôt sa maison, il torturait, violait à l'aide de ses complices qui apparaissaient aussi sur ses vidéos. Ces vidéos étaient ensuite postées sur son site et certaines personnes payaient très très cher pour voir ces vidéos. Ces vidéos, d'après ce que j'ai pu lire, se monnayaient pour 10 000 dollars. Des personnes qui avaient, à mon sens, aucune âme, payaient pour justement voir des scènes de torture horribles sur des enfants. Sa production la plus connue se nomme Desis Destruction. Il l'a produite en 2012 et apparemment c'est une série de 4 vidéos qui met en scène des scènes de torture, meurtres, viols sur des filles de 12, 11 et 18 mois. D'après ce que j'ai pu voir et lire, ces vidéos seraient une sorte de légende urbaine. Elles montrent des scènes d'une telle violence qu'on ne peut pas s'imaginer que cela puisse être fait d'un homme envers un autre, et encore moins sur des enfants. Mais après la vidéo Desis Destruction, la police australienne et philippine s'est mise à la recherche de Peter Scully. Tandis qu'ils recherchaient Peter Scully, les enquêteurs ont retrouvé 2 des 3 filles qui apparaissaient sur la vidéo Desis Destruction. La première de 12 ans et la seconde de 18 mois, qui se nomme Daisy, ont subi des violences telles qu'elles resteront marquées à vie des atrocités que Peter Scully leur a fait subir. Finalement, la police a réussi à rattraper Peter Scully en 2015 et il fit face à plus de 75 chefs d'accusation. Torture, service sur mineurs, corruption, plein de chefs d'accusation qui le mènent à la prison à perpétuité. Il est donc condamné à perpétuité actuellement aux Philippines. J'espère qu'il va franchement passer vraiment toute sa vie là-bas et qu'on ne reverra plus jamais ce type. Déjà de base, on aurait dû le castrer en plus de le foutre en prison. À mon sens, c'est clair et net. Aujourd'hui, ensemble sur le Darknet, on va essayer de trouver et voir si Desis Destruction est encore accessible et est-ce que des personnes peuvent encore accéder à cette vidéo sans payer 10 000 dollars comme c'était le cas de riches pervers, des riches sadiques, des riches psychopathes qui, de chez eux, étaient simplement en train de payer pour regarder ce genre de contenu. Moi, personnellement, ce genre de contenu me révolte. Il y aurait que moi, franchement, des personnes qui vont volontairement regarder ça pour se faire du bien, ça me révolte au plus haut point. Personnellement, je vais essayer de trouver cette vidéo, juste pour voir si Internet et le Darknet peut être aussi pourri, même s'il a ses bons aspects, voir si ça peut être vraiment pourri ou non. On va se retrouver là sur Darknet, on va essayer de voir si ça existe. Je croise les doigts pour pas la trouver. Je vais quand même chercher, hein. je vais pas effleurer le Darknet pour essayer de la trouver. On va essayer de voir ensemble. Allez. On se retrouve sur le Darknet, c'est parti les amis, et on va voir si c'est possible de trouver ça. Re les amis, on se retrouve sur le Deep Web. J'ai un peu repris mes esprits, à vrai dire, puisque je me suis un peu chamboulé. Mais du coup, on va partir sur le Deep Web, voir si on peut trouver justement cette vidéo.
flippante en théorie et complètement immorale et pas agréable, enfin tout ce que vous voulez. C'est parti. Donc on va chercher tout simplement Basis Destruction sur Nautivol, qui est le navigateur que j'utilise tout le temps. Cette fois-ci, par contre, je vous mets pas les liens. Hein, on est d'accord, vous aurez pas les liens. Parce que je pourrais tomber sur des trucs un peu chelous. Donc c'est parti, à la recherche de Basis Destruction. Je vais faire sûrement beaucoup de cuts dans cette vidéo, parce que si je cherche pendant 2 heures, on va peut-être pas chercher ensemble pendant 2 heures. Vous risquez de vous ennuyer. Basis Destruction, donc premier lien. Ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir dans d'autres onglets, parce que l'ACO ici pue la merde. Et voilà, première réponse, Basis Destruction. Bon, bah ce que je vais faire, c'est que d'emblée, je vais flouter, hein, parce que là, je vois des gifs vraiment pas agréables. Download all and new video image 84 Go. Donc là, honnêtement, qu'on se le dise, vous voyez juste ma fenêtre. Mais là, j'ai machine virtuelle, hein, VPN, tout ce que vous voulez. Donc tranquille. Voilà, Château 6 Box, page Not Found 404. Donc, première page, premier échec. Évidemment, j'espère que je vais avoir que des échecs partout. Donc, deuxième lien, Daisy's Destruction El Sotano. Je sais pas du tout ce que c'est. Daisy's Destruction Wall Video and Best Quality. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, honnêtement, vous voyez, quand je tape Daisy's Destruction, sur le Deep Web, sur le Darknet, j'ai des recherches qui correspondent. Alors, si AI bien affinité de vidéo, ok, bon, comme vous le savez, je parle pas du tout, mais pas du tout espagnol. Ok, alors là, il y a quoi? Il y a un lien méga. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait l'avoir sur le clearnet. Ce qui serait assez troublant. Hein. Ce qui serait plus que troublant même. The file you are trying to download is not longer available. Donc le lien qu'il y avait, enfin le dossier et le fichier qu'il y avait sur ce lien a été complètement delete. Alors, il y a quoi comme commentaire là-dessus? L'autre vidéo. Ok, alors le type, il est super, c'est un génie. Hein. Il est sur le deep web et il laisse son adresse Outlook dessus. Ah, des questions sur Hidden Answer. Je ferai peut-être une vidéo sur Hidden Answer parce que c'est un site vraiment intéressant du Deep Web sur lequel en fait des gens postent des questions simplement, genre tu peux tout demander et des personnes anonymes te répondent, enfin répondent à ces questions. Page Not Found. Et bah du coup, si je tape Basis Destruction sur Hidden Answer, est-ce qu'il va me sortir des résultats? Voilà, Basis Destruction. Alors, Basis Destruction, do somebody have la vidéo. Et le mec il dit que c'est pas vrai, il y en a un qui dit que c'est vrai. C'est réel, mais tu veux pas voir ça. Quelqu'un demande qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo. Donc c'est encore une description. Problème, mon anglais est pas non plus génial, hein, vous le savez. It's extremely hard to find this video. 30 à 45 minutes de longueur. Bon, les avis sont assez contradictoires, hein, et c'est un peu ça le principe d'une légende urbaine. C'est qu'en fait, on sait pas trop si ça existe. Il y en a qui disent que oui, d'autres que non. Des personnes demandent de l'aide pour trouver cette vidéo, mais je vois pas de lien. Je vois pas de lien, je vois rien qui peut me rediriger vers cette vidéo. Après, sur le Deep Web et sur le Darknet, il y a quand même des sites qui mettent no CP. CP, ça veut dire child porn sur le Deep Web et sur le Darknet. Donc voilà, donc je suppose que ce site, il est quand même assez populaire et je pense qu'il n'accepte pas justement des contenus pédopornographiques. On va essayer de trouver sur d'autres pages, hein, vu que sur la première, il n'y a rien. Bon, ça a l'air d'être un peu tout le temps la même chose. Waouh, c'est quoi ça? Ouais, j'ai jamais vu un site qui pétait autant les yeux, tiens. Ok, d'accord. Donc, alors là, le gros site d'arnaque de base, 100 fois vos coins en 24 heures. Le mec, c'est le plus gros trader de ta vie. Il peut te prendre un bitcoin, t'en rendre 100 en 24 heures. Ensuite, bah là, de ce que je vois, c'est que ça redirige pas mal sur le site bleu là qui pète les yeux. Bon, il s'appelle comment? CB3ROB. CB3ROB. Non, 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 pas du tout. Bon, bref. Deep paste your deep shit hoster for special shit. C'est vert, l'autre c'était bleu. Donc, does anybody here on a copy of Daisy Destruction? Ok. 1, 2, 3, got you. Ok, email. Envoie-moi un mail et je l'ai. C'est quoi ce site? Ça se trouve, on peut trouver quelque chose là-dessus. Bon, 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 bon. Là, je suis dans le top de toute façon. On va essayer de chercher, voir s'il n'y a pas un truc. Search paste. Search paste with keywords. Basis. Hey guy, I'm doing research on Peter Scully. Ok, donc le mec, il cherche aussi la vidéo. Des gens disent que c'est vrai, hein. Yeah, it's real. Don't fucking watch it. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Wesh, c'est quoi ça? Go it fast before the pass get taken down. Taken down. Ça a été posté quand? En août 2019. J'ai peut-être trouvé un lien. Ça m'inspire pas confiance, hein. Je connais pas ça. C'est peut-être un hébergeur. Autorisez-vous, systy.com, à utiliser les données de l'image Canvas HTML5. Cela pourrait permettre d'identifier votre ordinateur de manière unique. No thank you. Ok, donc faut s'inscrire et tout. Je suppose que c'est un fake ou alors un putain de virus. Et j'ai aucune envie de me choper un virus, qu'on soit clair là-dessus.
Donc, à voir si on peut justement choper cette vidéo. Alors là, on est sur dire. Ok, donc ça, concrètement, ça, c'est typiquement le type de site. Il va essayer de monter des sites avec un petit pouce vert, descendre des sites avec un pouce rouge. Donc en gros, c'est pour mettre les top sites, etc. Un peu à l'ancienne, comme les serveurs Dofus sur lesquels tu votais pour le top serveur, etc. Enfin, les serveurs privés Dofus. Ok, donc en fait, c'est que des sites de cul là-dessus. Donc je vais flouter le site carrément pour pas avoir de problème. Putain, ça fait un moment que je cherche. Fatigue les yeux. Tac, alors DeepPast, il nous propose quoi? Daisy's Live 24 sur 7. Hein? Oula, c'est quoi ça? Daisy Destruction part 1 à 4 sur Free? C'est quoi ce gros fake? Sur Free, ok. Bon, soit. On va regarder. Alors, je lance Free. Bon, à tous les coups, le lien il va être mort, hein, comme un peu partout. Mais bon, ça vaut le coup d'essayer quand même, hein, histoire de voir. Voir si on peut trouver, du coup, sur le ClearNet. Donc là, en fait, là, je me retrouve sur un lien Free qui propose une vidéo, enfin, un DL, qui se nomme Daisy's Destruction 2, je suppose, DD2.rar, 18 mégas. Bon, je suis sur ma machine virtuelle. Bon, allez, hop, on télécharge. J'ai une copie de Windows 10. Télécharger le fichier et ouvrir avec RAR. Donc, on va le DL, on va bien voir ce que ça donne. C'est la première piste, entre guillemets, qui semble à peu près, je dis bien à peu près plausible, hein. Là, on se retrouve quand même sur un site du ClearNet. Donc, c'est un peu chelou. Donc, là, c'est en train de DL. Bon, vu que c'est sur Tor, c'est un peu lent. Mais attends, je vais quand même vérifier que c'est pas un miroir ou quoi. Même si je vois l'URL là qui semble correcte. Je vais regarder si c'est vraiment free en cliquant sur free quoi. Donc ouais, c'est l'hébergeur free, comme Mega, comme Upload, comme RapidGator, TurboBit. Oui, je fais un peu comme dans les émissions télé, je cite plein de sites pour pas croire que je en favorise un plus qu'un autre. Parce que là, c'est vrai que 50 kilosecondes, ça fait mal. Oula, bon. DD2. Ouvrir. Un mot de passe. Ah oui, il y avait un mot de passe, c'est vrai. Donc en fait, là, il y a un mot de passe, tout simplement. Un mot de passe très long, hein, très très long. Donc, enfin, si on tombe sur cette vidéo sur Free et qu'il y a le mot de passe, enfin, et que l'on essaie de choper le mot de passe quand on l'a pas en faisant par exemple du brute force, bah, on l'aura pas. Parce que vu la longueur du bordel, hein, il fait combien de caractères? À la louche, il doit faire une quarantaine de caractères. Ok. Donc là, l'archive se lance. Ok, alors. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Là, on va l'ouvrir avec VLC. Bon, est-ce que c'est la vraie vidéo? Wesh, c'est quoi ça? C'est ça la vidéo? Quoi, c'est une fille qui est en train de s'amuser avec un gosse. Elle est en train de s'amuser avec un gosse. Enfin là, il se passe rien quoi, c'est pas il y a rien de très exceptionnel. Je sais pas si c'est ça. Oula, je sais pas. Ça a pas l'air très top, hein. Enfin, je sais pas, je suis perplexe là. Franchement, je suis perplexe, il n'y a rien d'extraordinaire. Pour l'instant, le truc, c'est que ça coïncide assez avec la description que j'en ai eue sur les sites que j'ai eus. Après, elle va savoir si c'est ça ou pas. J'ai peur, franchement, j'ai peur que ce soit ça. Parce que, genre, sur Google Images, je crois que j'avais vu un truc semblable en termes de couleurs. Même si j'avais pas vu, même si je sais pas trop. Donc, en fait, là, c'est une fille avec la petite. Mais le truc, c'est que je crois que c'est une de ses complices, en fait. Enfin, je crois que c'est ce que j'avais vu, enfin, sur Google Images, quand on tape Daisy Destruction. Je sais pas si c'était une vidéo de ça ou pas. Je vais avancer. Putain. Alt F4 direct, direct. Alors, que je vous explique,
Que je vous explique en deux mots. En deux mots. En fait, elle était toute nue avec la petite fille. Il n'y avait rien de mal. Enfin, j'ai vu ça 2 secondes. Il n'y avait rien de mal en soi. Il n'y avait pas de torture ou quoi. Mais enfin, ça coïncide avec la vidéo que j'avais trouvée. Enfin, avec les photos que j'avais trouvées sur Google Images, plus ça. Franchement, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que ça m'intéresse pas, mais je peux vous dire que c'est cette vidéo-là. Je sais pas trop comment je vais faire ça, putain. En gros, ce que je vais faire, c'est que là, le lien, là, les liens free, là, il y en a 4. Je vais pas aller voir les 3 autres, hein, parce que ça m'intéresse pas. Par contre, les liens free, là, faut que je trouve un moyen de le report. Faut que je trouve un moyen de report ces putains de liens et qu'ils soient virés d'Internet, là, parce que ça sert à rien. Je vois pas ce que ça apporte aux gens. Donc là, on a notre réponse, ça existe. Il y a des gens qui sont prêts à filmer ça. Je veux pas aller voir ça plus loin parce que ça m'intéresse pas. Franchement, en plus j'ai peur d'être choqué. Je suis pas une âme sensible, mais putain, ça m'intéresse pas. Franchement, j'ai pas envie d'aller plus loin. Je vais m'organiser. Je vais trouver un moyen de report le lien. Donc oui, il y a des psychopathes sur Terre. Il y a des gens qui sont prêts à regarder ça. Là, en fait, ce que j'ai vu, c'est que là, je vais juste laisser ça pas flouter parce que là, je vais vous flouter toute la page pour pas que vous puissiez y aller. Mais là, j'ai vu quand même qu'il y a 13 371 personnes qui ont consulté cette page. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement plus de 13 000 personnes ont téléchargé la vidéo pour la regarder, ce qui est quand même énorme et horrible. Et donc il y a beaucoup de personnes qui recherchent cette vidéo. Je pense qu'il y a quand même les 99 centièmes des personnes qui vont essayer de trouver des destructions juste pour satisfaire leur curiosité. Mais je suis sûr que dans le tas, il y en a qui regardent ça juste parce que ça leur fait plaisir. C'est fini pour aujourd'hui, ce soir, parce qu'il est un peu tard. J'espère que vous avez vu à quel point l'humanité est horrible et à quel point l'homme peut être horrible. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin, plus, oui. Bah, j'espère que ça vous a plu, enfin que je vous ai construit la vidéo comme vous le vouliez, que Swing2Deep vous a plu et que voilà. Enfin, comme quoi, hein, le monde est rempli de psychopathes et ben on en a la confirmation aujourd'hui. Donc voilà, c'était Protox pour vous servir. Je vous dis à une prochaine fois. Ciao tout le monde.